C'est Frédéric. Frédéric, bonjour Frédéric. Donc Sébastien Rambourg, on te connaît, ouais. Enfin moi j'ai en tout cas, ouais. pour ton rôle de batteur sur JMPZ, il y a déjà pas mal de temps. Oh là, ça ne rajoute pas ça. Ah bah non. Ouais. Et sur les Fields Monkeys notamment, tu étais sur un duo de batteurs. Et je le suis toujours. Hein. Un peu humoristique, ça existe toujours les Fields Monkeys. Ça existe complètement toujours, alors évidemment un peu moins maintenant à cause du Covid, enfin, on a annulé un peu la tournée là, mais à partir de septembre, les Fields Monkeys, et non pas les Fields Monkeys, seront donc sur scène voilà, comme les années précédentes. Bon, bah top, super. Mm. L'idée pour aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu ce que tu peux dire à nos élèves qui font de la musique. Donc déjà peut-être, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter ta carrière de musicien ? Ouais, alors en quelques mots, ça c'est peut-être pas ma spécialité, par contre, de faire des résumés comme ça, mais je vais essayer d'être assez bref et concis. J'ai commencé quand j'avais à peu près 14 ans, sans aucune idée d'en faire mon métier. C'était vraiment, je grattais quelques accords, je faisais un peu poum-chak avec les potes, etc. Ensuite, assez rapidement, parallèlement, ça s'est très très mal passé à l'école. Et donc, très rapidement, je me suis retrouvé un petit peu dans un besoin de gagner ma vie. Et du coup, étonnamment, la musique, avant d'être une passion, ça a été mon métier, en fait. Très rapidement, c'est avec ça que j'ai gagné un peu d'argent. J'ai un père qui est prof de batterie, qui a été d'ailleurs prof, comme je le disais, à l'école ici, qui a été directeur de cette école. Et donc, bon, j'ai eu le professeur à la maison, et à cette époque-là, donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé la batterie. J'ai mis la guitare de côté, j'ai énormément travaillé la batterie. J'ai pris des cours en conservatoire, j'ai pris des cours donc de batterie, bien sûr, des cours de percussion classique, j'ai pris des cours de piano, de guitare, d'harmonie, parce que voilà, déjà à l'époque, je pressentais que c'était important en tant que batteur d'avoir un petit peu la notion de ce qui se passe à côté, qui n'est pas juste le rythme, qui est aussi l'harmonie, etc. Ça, c'est pour la phase apprentissage. Et puis après, aux alentours, très très rapidement, j'ai fait du live. J'ai eu envie de jouer. J'ai intégré plein de groupes, des groupes de métal, des groupes de, je sais pas, de Zouk Love, des groupes de jazz, tout ce que j'ai pu faire. Je me suis vraiment pas arrêté à un style. J'ai eu envie de faire plein de styles différents. Et donc, à partir de 20 ans, j'ai un peu mis de côté l'apprentissage vraiment de la musique et je me suis mis à tourner beaucoup, beaucoup. Donc avec JMPZ à l'époque, et puis vraiment avec un peu tous les... Dès que j'avais du temps, dès qu'on me proposait quelque chose dans n'importe quel style, je disais oui, je faisais ok, j'essaye, j'y vais, voilà. Et puis ensuite, voilà, ça fait 20 ans hein, déjà, ça quand même, ça passe. Et donc 20 ans de tournées, de rencontres incroyables, de remises en question aussi, parce que c'est sûr que c'est un métier qui n'est pas facile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des métiers faciles, mais celui-là, en tout cas, c'est sûr qu'on peut dire qu'il ne l'est pas. Et puis voilà, quoi. J'arrive ici, là, 20 ans après, avec un nouveau projet où je ne suis plus batteur, mais je suis guitariste-chanteur. Et donc, de nouveau, comme je disais, des remises en question et un travail qui est différent. Voilà. Ouais, merci. Du coup, donc pour nos élèves, on peut commencer la musique un petit peu tard, en étant ado et avoir une carrière. Ouais. Une vraie carrière. Ouais, je dis un petit truc là-dessus, parce que je pense que c'est très important. Je l'ai ressenti vraiment. Moi, j'ai commencé tard par rapport à tous les jeunes qui commencent à 4 ans, 6 ans. Évidemment, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des choses à rattraper. Mais je crois vraiment en quelque chose, c'est quand on a vraiment envie d'aller quelque part, on a vraiment envie de faire quelque chose, on peut le faire. Donc je pense que c'est important de le dire. Si tu veux, tu peux. Je crois à ça. Top. Du coup, j'avais prévu une autre question, à savoir... J'ai déjà répondu à l'avance. Non, pas du tout. En fait, en quoi c'est bien d'être musicien ? Ouais. En quoi c'est bien ? Ouais. Alors, ça, c'est pareil, c'est dur de résumer, parce qu'il y a évidemment plein d'avantages à être musicien. Moi, je crois déjà, ce qui est bien, c'est de vivre de sa passion, en tout cas, d'exercer sa passion. Quand on est passionné de musique, c'est forcément bien d'être musicien. Maintenant, musicien, ça veut tout et rien dire. Tu peux être musicien, prof de musique dans cette école, et c'est très bien... moi, ce qui me convenait, c'était de faire du live. Moi, ce qui me convenait, c'était de monter dans un train, dans un avion, dans un camion le matin. C'était de voir le paysage défiler. C'était d'arriver dans des salles où je connaissais personne. C'était de jouer devant un public différent tous les soirs et essayer à chaque fois de créer un lien le plus fort possible avec eux. Alors, des fois, avec plus ou moins de succès, mais c'est vraiment le but premier. Moi, j'adore les rencontres. Pour moi, la musique... C'est
comme presque secondaire, c'est comme un moyen d'expression. Honnêtement, je peux pas dire que je sois passionné de musique à l'heure qu'il est, tout comme je peux pas dire que je suis passionné de français. Je parle français, je suis hyper content d'avoir appris cette langue, mais je pense que je pourrais te dire la même chose, je sais pas, en anglais, en chinois. Et ce qui est important, c'est le message. Pour moi, le message que tu utilises comme moyen d'expression, une guitare, une voix, une batterie, pour moi, c'est vraiment un truc de partager avec les gens, je sais pas, de générosité, d'échange, d'énergie. Donc, voilà. Je trouve que c'est bien d'être musicien, mais je pense que c'est bien de faire de l'art, en fait. C'est bien d'exprimer ce qu'on a exprimé, les émotions qu'on a exprimées, de les partager avec les gens. Et du coup, là aujourd'hui, donc c'est un nouveau projet Célestin, ouais. Peut-être pas si nouveau que ça. Et donc tu te retrouves à travailler ici à l'école de musique des Cullis avec ton Philippe Prohom qui est artiste et coach. Tout à fait. Comment on en arrive, je connais depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ouais. Et comment on en arrive, du coup, une fois qu'on est déjà musicien chevronné, à avoir quand même besoin de conseils, d'accompagnement? Alors, on n'est jamais musicien chevronné. Je pense que si à un moment donné dans sa carrière de musicien ou dans n'importe quoi, on a l'impression d'être arrivé, c'est fini. Il n'y a plus de... Donc je pense que... ensuite, tu l'as dit, c'est un projet qui est récent, où je pose les baguettes, où je prends la guitare, où je chante. Donc c'est quand même, j'en parlais, des moyens d'expression dans lesquels je suis pas forcément autant à l'aise que sur une batterie. Ensuite, je pense qu'on a toujours besoin, c'est pas du tout une question de niveau, de maîtrise, d'un regard extérieur. C'est important d'avoir son propre regard, évidemment on peut rien faire sans ça, mais le regard extérieur, c'est quelque chose qui est primordial et dont on ne peut pas vraiment se passer. C'est-à-dire que moi, sur scène, j'ai une vision de l'intérieur qui est forcément différente de la vision de l'extérieur. Lui, Philippe, il m'apporte cette vision de l'extérieur. Ce n'est pas une vision lambda. J'ai évidemment la vision des spectateurs quand je suis sur scène. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, donc je me nourris. Je vais leur poser des questions à la fin. Peut-être ils vont me le dire spontanément. Tiens, ça, on a aimé ça, on n'a pas compris. Ça, je me nourris de ça. Lui, Philippe, il a cette expérience d'une part de la scène, puisqu'il a été, il est encore... artiste, chanteur, etc. Il a cette expérience-là, et puis ça fait quelques années qu'il fait, je sais pas, qu'on peut appeler ça du coaching, je sais pas. Bref, en tout cas, il a ce rôle de superviseur, de regard extérieur, et ça faisait, quelques années que on se croise, et puis je fais, putain, mais un jour, il faudrait que je vienne et qu'on fasse cette expérience ensemble. Puis il me disait, bah ouais, avec plaisir, puis là, l'occasion s'est présentée, et puis voilà. Oui, du coup, vous avez bossé ce matin, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte, Philippe? Oh, rien. Honnêtement, là, rien. Je suis hyper déçu, honnêtement. Non, mais écoute, là, c'est encore... Alors, pour le coup, si on avait fait cette interview dans 2 heures, peut-être que je pourrais nourrir un peu plus le truc. Là, c'est complètement frais. En gros, je lui ai joué mon répertoire, une partie de mon répertoire. Il a pris des notes. Et puis ensuite, voilà, il m'a juste, pour l'instant, il m'a livré un petit peu comme ça ce qu'il ressentait, ce qui est intéressant. Il y a certaines choses sur lesquelles c'est ce que je ressens aussi, donc je suis complètement d'accord. Il y a des choses sur lesquelles peut-être je peux être plus surpris, mais c'est de toute façon intéressant d'avoir ce regard-là. C'est intéressant d'accepter dans ce cadre de ce travail, et c'est très difficile, je pense, pour tout le monde, hein, mais ça, ça demande parfois des années, parce que c'est pas la première fois que je fais ce genre de travail devant un regard extérieur, mais au début, c'est très dur de mettre son ego de côté, d'humain, hein, même pas forcément de musicien, mais son ego de côté, et dire, ok, là, je suis là avec toi, tout ce que tu vas me demander, je vais le faire, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, je vais me plier à l'exercice, et puis après, moi, en fonction de ça, je referai... ma petite tambouille à moi, je prendrai ce qu'il y a à prendre, je prendrai pas peut-être ce qui me parle pas. Mais c'est un exercice qui est pas simple, parce que quelque part, monter sur scène, c'est quand même quelque chose qui est particulier. Je pense pas qu'on soit programmé pour être devant des gens, dans la lumière, avec le son, etc. C'est pas simple, donc ça demande quand même peut-être un peu de, je sais pas, enfin de l'humilité évidemment, un peu de courage, un peu de folie aussi, un mélange de tout ça, quoi. Donc voilà, moi je suis convaincu que cette session sera très bénéfique pour Célestin. Eh ben super. Et dernière question, du coup, ouais. Nous sommes une école de musique. Est-ce que tu aurais des conseils à donner soit à nos élèves, soit à nos professeurs, soit aux deux? Ouais, complètement. Déjà parce que j'ai été un peu dans le cursus déjà en tant qu'élève. Et après, j'ai aussi été aussi professeur au début. J'ai donné des cours de batterie, etc. Des cours de batucada aussi, orchestre, etc. Je sais plus comment ça se passe maintenant. Je sais que il y a
25 ans, il y avait encore quand même beaucoup un truc très scolaire, d'apprentissage, de, je sais pas, de, déjà beaucoup du solfège, de faire beaucoup de théorie, peut-être beaucoup de technique. Et puis au final, l'impression que j'ai eue, c'est que très souvent, et je dis pas du tout que c'est le cas ici évidemment, mais on passe à côté, pour moi, de l'essentiel, c'est-à-dire la musique. Et le moyen d'expression dont je parlais tout à l'heure. Et quelque part, moi en tout cas, quand je donnais des cours et je voyais les élèves qui avaient 15 ans qui venaient là parce qu'ils étaient un peu forcés par les parents, qui bossaient pas du tout, genre j'avais envie vraiment d'axer sur le plaisir, en fait, sur le plaisir de la musique, parce qu'ils sont à un âge souvent où on les fait vraiment chier à l'école. Il faut en fait avoir des diplômes, il faut apprendre le français, les maths, toutes ces matières qui sont, on va dire, peut-être, je ne vais pas dire plus importantes, mais qui vont peut-être être, ouais, peut-être plus importantes pour trouver du métier puis subvenir à leurs besoins, etc. Moi, j'ai envie de dire, à part si tu as vraiment envie d'être professionnel, et encore, quand bien même, en fait, je pense que la musique, ça doit rester. On ne doit pas oublier qu'on dit jouer de la musique, on joue de la musique. Et souvent, le côté plaisir, il passe complètement à côté. Je pense que c'est important que les élèves, ils jouent, qu'ils prennent... Ça ne peut pas être que de la théorie, ça ne peut pas être que de la technique. En vrai, la théorie, c'est important, mais ce n'est pas du tout le plus important. En vrai, la technique, il y a des musiciens qui font des carrières incroyables, qui n'ont pas de technique. En fait, tout ça, quelque part, on s'en fout un peu. C'est comme si je passais tout mon apprentissage à apprendre la diction et apprendre des mots très compliqués sans vraiment savoir le sens des mots. En fait, on peut très bien, avec quelques mots, passer des messages très très intenses, très 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 beaux, et des fois on peut, avec des mots très compliqués, ben, dire vraiment de la merde. Donc voilà, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est vraiment jouer la musique et la communication entre les gens. Puis après, c'est bien d'apprendre à lire, hein, je l'ai fait, c'est bien d'apprendre, mais ça, quelque part, ça peut pas être le centre de l'apprentissage de la musique, je pense ça. Et la dernière chose, quand vous voulez faire quelque chose, comme si vous croyez que vous êtes fait pour ça, ou même que c'est une passion, allez-y, écoutez pas ce que les autres vont vous dire. Si j'avais écouté ce que les conseillers d'orientation, c'est les professeurs de musique même, m'avaient dit, je ferais pas ça aujourd'hui, c'est sûr. Et à un moment, il faut être un peu culotté, puis faire, ok, mais en fait, je fais ce que je veux, je vais le faire, mais par contre, faites-le à fond. Faites-le à fond, comptez pas les heures, bossez comme des tables. Donc beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, mais du plaisir, c'est obligé. Sinon, ça devient un boulot, puis les gens, ils ont pas envie de venir te voir sur scène, quoi. C'est pas drôle, quoi. Un mec qui bosse, non. Voilà. Ok, bah super. Merci, merci beaucoup. Puis, merci à vous. Bien à travailler. Bah ouais, hein, là, il y a du boulot. Hein. Chef, chef promo. Bon, bonsoir. Un mot à rajouter? Oui, du cœur. Du cœur. Du cœur, mais bon sang, mais le cœur. Vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Attends, mais t'es pas filmé, quoi. Bah viens. Il faut le point de vidéo qui ressemble à rien. Tu es beau, mais il faut quand même qu'on me voit. Bonjour, chers amis. Je voulais dire que, aussi, dans ces choses-là, il faut mettre du cœur. Il a dit tout ce qui était bien, mais du cœur. Comme ça, qu'on réussisse ou pas, on est droit dans ses bottes, on a fait le truc avec son cœur. En plus, quand on fait les choses, le reste ne nous appartient pas vraiment. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc, autant faire les trucs avec du cœur. C'est tout ce que je voulais rajouter. Philippe, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes artistes qui se lancent dans la chanson et la guitare après avoir fait une vingtaine d'années derrière les fagots? Oui, faire les choses avec le cœur. C'est beau. Bon, bah merci. Du coup. Okay. Merci les gars. Bon, merci. Bah, à vous, hein.